Byzance et l'Empire carolingien. Les débuts du Moyen-Âge sont marqués par la naissance de deux grands empires. Des territoires réunissant des peuples sous l'autorité d'un chef suprême, l'empereur. Comment naissent et évoluent les premiers empires du Moyen-Âge? Né au 1er siècle avant Jésus-Christ, sous l'égide de l'empereur Octave Auguste, l'Empire romain est menacé par les invasions barbares dès le 3e siècle après Jésus-Christ. Pour assurer sa défense, l'Empire romain antique est divisé en deux en 395. À l'ouest se trouve l'Empire romain d'Occident, qui a Rome pour capitale. À l'est s'épanouit l'Empire romain d'Orient et sa capitale, Constantinople. Mais en 476, sous les coups des peuples barbares, l'Empire romain d'Occident disparaît et seul l'Empire romain d'Orient survit. Il prend alors le nom d'Empire byzantin ou Byzance et il se veut l'héritier direct de l'Empire romain antique. L'empereur, à l'image de Justinien, se fait appeler Basileus. Il est un personnage sacré, chef de l'armée, de l'administration et il dispose d'un pouvoir absolu. Comme l'Empire romain, cet empire est chrétien, mais à partir du 11e siècle, il prend ses distances avec le pape qui siège à Rome. Le schisme de 1054 donne ainsi naissance à la chrétienté orthodoxe. Elle fait face à la chrétienté catholique et romaine, toujours sous l'autorité du pape. Les deux chrétientés s'opposent, et la rupture est encore plus profonde après le pillage de Constantinople par les chrétiens d'Occident en 1204. À l'ouest, dans l'ancien Empire d'Occident, le royaume des Francs voit le jour après les invasions barbares du 4e et 5e siècle. Dirigé par le roi Charlemagne, ce royaume devient un empire lorsqu'en 800, Charlemagne est couronné empereur par le pape. Le but est alors de reconstituer l'Empire romain d'Occident. Le nouvel empereur dirige l'Empire carolingien depuis sa capitale politique, Aix-la-Chapelle, une ville située en Europe continentale, bien loin des rives de la Méditerranée. Entouré de conseillers, d'hommes de lettres et d'églises, Charlemagne réunit des assemblées et envoie des missi dominici dans les 300 comtés de son empire. Mais ce territoire est menacé par de nombreuses invasions. Et il est finalement partagé entre les trois petits-fils de l'empereur en 843. Bien que puissant, l'Empire carolingien n'en est pas moins très éphémère. En bref, les premières heures du Moyen-Âge sont marquées par la disparition de l'Empire romain antique soumis à la pression des invasions barbares. Deux empires voient alors le jour dans les siècles suivants. À l'est, l'Empire byzantin qui perdure jusqu'au 15e siècle. À l'ouest, l'Empire carolingien, celui de Charlemagne, beaucoup plus bref. Ces deux puissances se veulent les héritiers de l'Empire romain qu'ils essayent de reconstituer par les conquêtes. Tous deux chrétiens, ces empires s'opposent cependant et ils donnent naissance à deux églises différentes, l'église catholique et romaine et l'église orthodoxe.